Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Transport Fever. Alors aujourd'hui, on va faire du coup notre embranchement là pour aller vers Lyon, béton tout ça là. Pour aller vers béton, il faut, enfin béton et Lyon, il faut faire un embranchement ici. Alors on va faire l'embranchement à partir d'ici. Alors il faut trouver le moyen de bien se débrancher. Et maintenant c'est vrai, on a les signaux barrés. Attends. Non, là je l'ai pas. Clac. Je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Ah, j'ai pas la croix. Alors, moi je m'en étais pas rendu compte, mais c'est en regardant un épisode de Max que je me suis rendu compte qu'il y avait les signaux barrés. Mais on voit en gros quand les signaux sont plus actifs quoi. Enfin quand il n'y a plus à les respecter quoi. Et en fait il y a une croix devant pour dire ils servent plus quoi. Enfin, voilà. Et il y en a plein sur la ligne de. L'ancienne ligne qui faisait Paris. Paris. Comment ça s'appelle? Le Tréport. En fait, entre Beauvais et le Tréport, avant il y avait des gares de croisement. Elles ont été supprimées. Enfin, les croisements ont été supprimés. Et donc en fait, les carrés ont été. Il y a une croix mise devant, quoi. Tout simplement. Donc. On voulait faire du coup l'embranchement. Allez, on fait l'embranchement. L'embranchement, on va le faire à 100, je pense. On va essayer de le faire à 100. On va voir si ça fonctionne. Il va falloir sortir dès la sortie de la gare, là. Parce que c'est le seul endroit à peu près plat. Donc, on va supprimer ce signal-là. Malheureusement, on n'en aura plus, des comme ça. Et on va se mettre ici. Voilà, 100. On va voir si ça passe. Ça passe. Je vais mettre un peu plus large pour. Alors. Non, c'est Shift. Voilà, parfait. Là, c'est bien. Et la deuxième aiguille. Ah, la deuxième aiguille, par contre, elle va être obligée d'être limitée un peu plus bas. Mais bon, pas très grave. Hop, voilà. Et donc, on est débranché. Maintenant, dans l'idée, là on va avoir un pont. J'avais dit que je limiterais ce qui coûte cher. Bon, j'avais pas dit jusque quand. Alors, on va se mettre sur du plat. Non, pourquoi ça veut pas faire de pont? Alors, on va mettre un pont. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme pont?
Et il veut pas, hein. Pas possible. Alors ça... Ouais... un truc plus joli serait bien. Non, ça c'est moche. Ça c'est pas beau. Ah, ça. Et du coup, on va essayer de refaire shift. Yes. Ah non, il a pas validé. T'es sérieux là? T'es sérieux le jeu? Tu viens de me faire un coup comme ça là? Oh putain. Ouais, le jeu préfère me faire ça. Bon, on va supprimer la route. Hein. Les gens, désolé, je vais refaire la route après, mais... Là, le jeu veut pas me faire ce que je veux faire. Et c'est inacceptable parce que c'est pas le jeu qui décide. Clac. Ok. Et on va mettre le pont que j'ai dit tout à l'heure. Faut que je le retrouve. Voilà, celui-là. Voilà. Ouais, j'aime bien. Alors c'est long, hein. Enfin long pont, mais ça me plaît bien. Hop. Putain, mais pourquoi tu veux pas coller? Hop. Et hop. Ok. La gare. Alors la gare du coup ce sera une gare. Ce sera une gare un peu complexe. Alors en fait je pense qu'il y aura la gare de celle-là. Et il y aura une autre gare. Pour la ligne qui va aller vers Saint-Laurent-du-Var. Je pense qu'on va faire ça. Donc bâtiment. Bâtiment voyageur. On va mettre cette gare là. On va mettre deux voies. 240 mètres, je pense que ce sera bien. Voilà. Ok, on va continuer les rails. Pour aller jusque Lyon. Et là peut-être qu'on va pouvoir accélérer un petit peu. On va peut-être se passer à 100. On va peut-être passer à 120 ici. Même si c'est presque l'arrivée, mais bon. On va faire une tranchée et on fera de la terraformation derrière. Hop. On va repasser à 100. On va rester à 100 finalement parce qu'il y a un petit peu de courbe à faire. Ouais, on va se mettre à 100 là. Hop.
Et on descend pour venir au niveau. En fait, je cherche la limite du tunnel pour avoir un bon truc. Ah, attends, on avait pris quelle voie là? J'ai pris quelle voie? Ah, et puis j'ai pris celle de. En plus, j'ai pris celle de droite. Donc, il faut que je mette celle de gauche en premier. Puisqu'elle va venir frôler. Puisqu'elle va venir frôler la ville. Hop. Et donc par ici on aura l'embranchement pour la deuxième gare de. On aura un embranchement et une aiguille pour les. Une aiguille en fait qui fera ça. Et qui ira s'embrancher sur l'autre. Mais on va la faire juste après l'autre hein, parce que je vais en avoir besoin pour le fret. Je vous rappelle qu'à l'origine on fait ça pour une ligne fret. Et en fait, on est en train de faire une voyageur. Mais tout va bien. pourquoi 45 là? Ouais, petit bug du jeu. Voilà. Hop. Ah, on descend pas là, merde. Je croyais qu'on descendait. C'était l'idée, c'était de descendre pour pouvoir aller au niveau. Aller au bon niveau. Est-ce qu'on est au niveau là? Presque. On va descendre encore d'un cran. Merde. Hop. Et on va se mettre à niveau. Ok. Donc on commence une courbe ici. En plus du bon petit train thermique là, ça va leur faire, ça va bien leur ravir les oreilles aux gens qui habitent là. Clac. Je suis en contrebas là? Déjà, où est-ce qu'on place la gare? Oui, on la place dans le secteur, la gare, c'est vrai. Bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel. C'est moi, ils ont tout remplacé par des bâtiments résidentiels, là. Ah non, c'est là, le... Oh putain, il y a beaucoup de résidentiels, quand même. Hein. En fait, il faut que là... Il faut que la gare se trouve ici. Qu'on puisse. Alors, bâtiment. Une grande gare. À 4 voies, parce qu'il va y avoir beaucoup de voies. Je pense qu'il va y avoir pas mal de voies qui vont arriver ici. Oui, mais non. Putain. Merde. Est-ce qu'il n'y a pas un peu plus loin? Ah bah oui, il y a toute la zone là. Bon, puis on peut la faire là, la gare. On peut la faire là. Alors attends. Si je me mets à hauteur ici.
Ah non, j'ai faim. Putain, faut vraiment que je fasse. Faut que je pense à faire le shift après. Hop. Shift. Clac. Et shift descendre. Non, là ça monte. Descendre. Voilà. Et shift tourner un petit peu encore. Voilà, parfait. Bon, à l'origine, j'avais dit que on arrêtait ce qui coûtait cher. Mais là, avec la transformation qu'on va devoir faire, ça va nous coûter une fortune aussi. Ça va encore nous coûter une fortune. Mais bon, on va le faire parce que sinon, c'est vraiment moche. Genre, ça va être encore la même qui va se construire. On parie? Ah non. Ah non, bah non, bah j'ai rien parié. Non, non, mais j'ai rien parié du tout. J'ai rien parié du tout. Alors, clac. Vous m'avez entendu parier quelque chose? Non. Non, non. J'ai rien dit. Non, non, j'ai rien dit. Le mec qui se divine totalement. Voilà. Parfait. Et donc, on peut faire la ligne qui vient jusque là. Rail. Qu'est-ce qu'on débloque? Ouais, les 75 000 en fret, ok. Tu te vois des belles 75 000, ça me plaît. J'ai vu des captrains, mais j'ai pas vu ce que c'était. J'ai pas eu le temps de lire. On ira voir tout à l'heure au dépôt. Parce que là, pour la ligne fret qu'on veut faire, ça peut être intéressant d'avoir... Ah, quoique, bah non, c'est que on a que du... On a que du thermique, donc c'est pas forcément très intéressant d'avoir une lock bimode. Voilà. Clac. Non. Voilà, comme ça. Ouais, on a un tout petit peu en contrebas, mais limite, c'est pas plus mal, tu vois, pour les... Dans la vraie vie, pour les nuisances sonores. Hop, allez, 100 km/h. Voilà, on arrive à la première partie. Ok. On va mettre la deuxième voie. Et on va faire ouais, une grande partie à 4 voies, mais qui va juste, ça va juste être, ça va être pas mal, ça va être un peu, mais c'est juste pour que le l'autre ne gêne pas quoi. En plus on est coincé un peu entre la montagne et après il y aurait la possibilité de faire un rebroussement en hangar, mais dans le jeu c'est pas, je crois que c'est pas bien géré les rebroussements. Mais s'il y avait les rebroussements, on pourrait faire un rebroussement. Mais en plus, ça risque de flinguer un peu les... Ça risque de flinguer un peu les tarifs. Mais quoique, techniquement, on peut le faire. Théoriquement, on pourrait le faire. Je suis en train de me demander si je vais pas le faire finalement. Alors, je vais pas encore faire de... Hop, voilà, on va se séparer là. Et clac. Donc tout ça c'est la partie à 4 voies. Il y aura du trafic, hein. En vrai, est-ce qu'on n'aurait pas pu électrifier cette partie-là? Est-ce que j'aurais pas pu électrifier ça?
A voir. A voir si on électrifie ou pas. Clac. Et clac. Parfait. Voilà, on longe. On va terraformer du coup. On va terraformer. Alors, c'est là la terraformation. Hop. Ah, c'est franchement pas mal. Perso, j'aime bien. Là, la voie qui vient longer vraiment la ville. Le seul problème en fait de cette ligne là, de cette d'ici, c'est que on peut pas rejoindre la grosse mégalopole qu'elle a quoi. On peut la rejoindre par bus ou alors on peut faire un tram de. On fera peut-être un tram. Est-ce que j'ai des rails? Attends, je regarde un truc. Là-dedans. Un rail de tram. Oui. Voie de bus, non. Le rail de tram, oui. Ouais, y a ça. C'est dommage que j'ai pas les zones Voilà, y a qu'un rail qui passe. Des zones en herbe. À 10 mètres, il n'y a qu'un rail qui passe. C'est dommage que j'ai pas de zone en herbe comme en ville en fait. Ouais, faudra qu'on voit comment on peut faire. Faudra qu'on voit comment on fait, mais on pourrait se faire un tram entre Lyon et. Et la mégalopole, comme ça évitera d'avoir à faire un train. Parce que là, du coup, on a les deux gares. Donc, c'est plutôt pas mal. On a combien de temps? On a 22 minutes déjà. Putain, ça passe tellement vite, les enregistrements. Alors, on va faire notre voie ici. On va se mettre à 120, par contre. On accélère à 120. Peut-être un petit tunnel, mais après on sort. Voilà, parfait. Ouais, parce qu'en plus là... Bah, je pense qu'on va faire des rebroussements. On va faire un rebroussement. Faut voir comment on peut faire un broussement là sur TPF. Faudrait que je mette en bout de quai. Faudrait que je mette ça. Nombre de rails 2. Longueur. On va pas mettre trop long parce que ça sert à rien d'avoir trop long, c'est juste histoire de. En fait, c'est juste. Ah merde, j'ai mis des caténaires. Putain, boulet. Pour l'instant, je mets pas de caténaires, on verra plus tard si on en met une. Non, non électrifié. Stricto connexion non, caténaire non. Hop.
Tac. Et la dessert, rien. Donc ça, c'est parfait. Faut pas que ça desserve quelque chose, sinon on aura des problèmes. Et donc, ensuite, on va faire des voies rail à 30. Et en gros, dans l'idée... Dans l'idée, on va aller jusqu'au bout parce que sinon on va pas y arriver. Hop. Alors, du coup, ça fait en bout de map. C'est pas très beau, mais on n'a pas trop le choix. Et donc là, on a la zone tiroir pour que la loco se mette et puisse repartir. Et on aura la même pour ce côté-là. La même pour ce côté-là. Hop. Et voilà. Et donc, du coup, les locaux viennent faire un tiroir ici et repartent. Parfait. Et donc, on va faire une gare voyageur par ici, je pense. Enfin, une autre gare voyageur, du coup, ici. Alors, ici, rail, bâtiment, voyageur. A seulement deux voies, du coup, ici. Un peu, on va la mettre le long de cette route-là. Alors, de quel côté on la met de la route? On la met plutôt de ce côté-là, ça va être plus simple après pour tourner. Et le plus proche possible d'ici. Voilà, parfait. Rail. Du coup, on peut se faire sauter jusque là. Parce que au final, là, on va aller tout droit, je pense. Alors, j'ai pris quelle voie là? J'ai pris la voie droite, donc il faut se brancher à droite. Est-ce que j'y vais en tranchée? Si j'y vais en tranchée, ça donne quoi? Bah non, tunnel du coup. Tunnel, hop. Tunnel, et on arrive là. Ok. Au moins les deux gares sont desservies. Enfin, les deux gares sont prêtes à recevoir. Enfin, faut juste mettre la signalisation. Mais je pense qu'on va quand même d'abord, dans un premier temps, mettre en service notre ligne de fret. Parce que du coup, l'idée, c'est qu'à la sortie de la gare ici, on va prendre une courbe. Alors, oh non, j'ai mis des voies à 30. Ah là, ça aurait été surprise. Ça aurait été surprise au moment de mettre en service. Mais pourquoi il ralentit à 30? J'ai mis des voies à 30. Boulet. Alors, on va tourner ici à 120 km/h. Et après, on va commencer à monter pour aller passer de l'autre côté. Même si...
En vrai, monter, je pense que ça va pas trop le faire. Il va surtout falloir faire un tunnel. Alors qu'on a un puits de pétrole. Putain, je viens de me rendre compte qu'on a un puits de pétrole ici, quoi. Peut-être qu'il servira. Alors, est-ce qu'on lui fait... Ah, je sais pas trop comment m'en servir. Je sais pas trop comment faire. Bon, dans tous les cas, on passe là. On tourne. Alors. On va venir mettre la gare ici. Bâtiment. Marchandises. On va venir le placer... non, c'est pas ça, c'est ça. On va venir le placer là. On va le tourner. Ah, c'est pas là, c'est là. Hop. Clac. Ah, ça va être compliqué parce qu'il y a du relief. Mais on va voir. Alors, on va le mettre là. Parfait. Alors, rail. On va mettre des rails à 60. Rail à 60, clac. Ça, c'est bon. Et on va mettre le deuxième. Donc avant, on aurait 3 puits de pétrole pour se mettre, donc ce serait pas mal. Putain, par contre, ouais, c'est en pente là. Ah, pas cool, pas cool, pas cool, pas cool. On va du coup, on va supprimer ça. Alors, clac, clac, clac et clac. Hop, hop. On va mettre les voies à 60. On va remettre la voie à 60 là. Et en vrai, il faut qu'on arrive à s'aiguiller proprement. Je pense qu'on va plutôt s'aiguiller ici du coup. Alors, 120. Clac. Alors on va descendre sur du plat. Non, ça le fait pas. Ça le fait pas, ça le fait pas. Un peu. On remet la deuxième. Voilà. Est-ce que là c'est bien? Là c'est parfait. Donc on a notre arrivée ici. Donc ça dessert ici. C'est parfait. On va mettre ça là. 120. Ça c'est bon. Et alors dans l'idée que j'ai là. Je parlais de ça. Je parlais d'elle. Je pense que j'ai l'idée peut-être de faire un petit coucou. Un genre de... avec une Y ou un truc dans le genre. Et qui ferait juste la traversée du tunnel en fait. Et qui viendra en fait déposer ici. Avec une voie spéciale pour lui. On va voir. Alors, mais de toute façon pour l'instant on s'en sert pas. Pour l'instant ça reste comme ça. On va reprendre les voies à 60. Juste pour faire la croisée ici. Hop, ici. Et ici. Parfait. On va mettre un carré d'arrêt ici. Clac. Et on va mettre un carré ici. Et ici, voilà. Et après, on en met un aussi là. Ok.
Dans l'idée après, du coup, il faut que... Il faut que... De là, ça reparte là. Donc il faut mettre un dépôt de... un bâtiment de chargement des marchandises ici. Non électrifié. Pas de rail de tram. Il n'y a rien à déposer, donc on va mettre un seul. On va mettre 30 mètres. Et on va rallonger après. On allonge. J'ajoute ça. Configurer. Marchandises. Hop. Ça devrait être bon. Il n'y a pas... Il y aura de la marchandise, mais ça devrait aller. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas où? Il y a quoi par là? Ah, tu vas... D'accord, tu vas là-bas. Ok. Et ensuite, on met... ici, il y aura déchargement et chargement. Donc, on en met deux. On met un avec deux quais. On met un terminal à deux quais. On le tourne. Hop. Configurer. Clac. Marchandises. Hop. Bon, on va en allonger qu'un, parce qu'il y en a qu'un qui est pour... Pour l'instant, il n'y en aura qu'un. Non, on va agrandir parce qu'il y aura plusieurs villes. Donc, dans tous les cas, on agrandit. Voilà. On va terraformer tout ça. Voilà. Et mieux. Parfait. Voilà. Bah du coup ça c'est relié. Et on va juste faire ça. Alors. Ici il faut un endroit. Ah, attends, où est-ce qu'il y a des ponts? Attends, par contre, il n'y a pas vraiment de pont pour traverser là. Il n'y a pas de pont routier pour traverser. Donc en fait c'est pour ça que tout est dirigé par là. Bah vous savez quoi, on va faire ça dans le prochain épisode. On a 37 minutes de vidéo, donc ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur YouTube ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo pour aller une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, moi ça importe quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Victoria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.